Acclamons très fort pour notre roi. Lisons une écriture, s'il vous plaît. Exode chapitre 4. Premier verset. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Alléluia. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Cela dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il le retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit: remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croiront pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse tous au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais ici remercier notre cher papa pour ce privilège, cette grâce qu'il m'accorde d'être là ce matin dans une telle grande manifestation pour dire quelque chose de la part du Seigneur Jésus. Vraiment, je le remercie pour cela. Je salue les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Votre présence nous honore beaucoup. Et votre présence apporte un plus à cette assemblée. À tout un chacun là-bas, je vous salue tous au nom de Jésus. Et je voudrais saluer spécialement toutes les personnes qui sont venues hors de Franceville. Que le Seigneur vous donne beaucoup de bénédictions au nom de Jésus. Acclamons très fort pour toutes ces personnes qui sont venues de Port-Gentil, de Libreville, de Konja, d'Akili, peu importe, de Mwanda. Vous avez fait tout le déplacement jusqu'ici. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et merci à toutes les personnes qui, de près comme de loin, ont participé à la réalisation de ce merveilleux chef-d'œuvre. Que le Seigneur accorde un plus à vos finances, à votre vie spirituelle, et que vous ne manquez de rien. Vous êtes tous importants pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Alors, je crois que j'ai encore un peu de temps.
On va essayer d'être un peu bref pour essayer d'aménager le reste du programme. Alors, nous avons le thème, c'est le retour de la colonne de feu dans l'église. Nous allons essayer de parler autour de cela. Mais le sujet que je veux parler, c'est « Amène les gens à croire aux dons ». Lorsqu'on met au monde un enfant, pour la première fois qu'on devient père, cet enfant vous procure beaucoup de joie. Parce que cet enfant vous fait devenir mère et vous fait devenir père. On peut avoir plusieurs enfants, mais le premier enfant est celui qui ouvre la voie aux autres enfants. Et dans certaines familles, le premier enfant peut être le plus grand, peut être le plus riche, peut être le plus fort, peut être celui qui travaille le premier, peut être celui qui se marie le premier, peut être le premier en tout. Mais dans certaines familles, le premier n'est pas forcément le plus fort, n'est pas forcément le plus riche, n'est pas forcément le plus grand. Amen. Mais il gardera toujours sa première place. Parce que c'est lui qui a introduit la voie aux autres enfants. Amen. J'aimerais attirer l'attention de tous les membres du plein évangile, de tous les frères et sœurs venus d'ailleurs. Que le plein évangile de Franceville est l'enfant qui a ouvert la voie. Même si le plein évangile de Franceville n'est pas le plus grand, n'est pas le plus riche, amen, mais c'est l'enfant qui a ouvert la voie. Avant qu'il y ait plusieurs pleins évangiles, il y a eu d'abord plein évangile Franceville. C'est cette église qui a formé la plupart des pasteurs du plein évangile, la plupart des ministres du plein évangile. Cette église qui a soutenu notre pasteur dans les hauts et les bas, dans les temps les plus difficiles. Amen. C'est pourquoi cette église restera un mémorial. Et toutes les églises du plein évangile doivent honorer plein évangile Franceville. Et tous les ministres, tous les serviteurs, tous les pasteurs du plein évangile doivent honorer plein évangile Franceville. Je peux me tromper, c'est mon opinion, mais je crois que cette église est la première pierre qu'on a posée. C'est la première pierre de la commission. La commission s'est élargie. Amen. Vous savez, même si on peut délocaliser la capitale ou le quartier général, on n'oublierait jamais le faible commencement. Amen. Et c'est pourquoi je prie et je déclare que toutes les personnes plein évangile Franceville, vous resterez toujours bénis. Dieu vous bénira encore. Il le fera encore. Amen. Ne vous sous-estimez jamais. Ne vous méprisez jamais. Ne vous rendez pas inférieur. Vous êtes le premier-né. Même s'il y a des familles où le premier-né est toujours mis derrière parce qu'il n'a pas assez d'argent, on ne le consulte pas. Il y a des familles où quand il y a un mariage, on oublie le premier parce qu'il ne travaille pas, il n'a rien à donner. C'est le cadet qui vient, on entend le cadet parce qu'il a tout. C'est lui qui n'a pas la dernière décision. Même s'il y a un décès dans la famille, on veut enterrer, non, on entend le cadet. Pourtant l'aîné est là, mais on entend le cadet parce que le cadet a plus de moyens, il est plus intelligent, il a plus de relations. Alléluia! C'est parce que ces familles ne savent pas honorer les premiers-nés.
Restez toujours à votre place. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est une introduction pour introduire mon message. Plusieurs serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi ont lu des citations que j'allais lire. Ils ont déjà défini qu'est-ce que la colonne de feu. Ils ont dit comment la colonne de feu a commencé. Et le but même du retour de la colonne de feu dans l'église. Comme on a passé de temps, je ne vais plus revenir sur cette citation. Je vais essayer d'avancer un peu. Amen. Donc, nous connaissons déjà que la colonne de feu, c'est pour tout le monde. La colonne de feu, c'est l'ange de l'Alliance. La colonne de feu peut prendre plusieurs formes. La forme d'une boule de feu, la forme d'une langue de feu, la forme d'un buisson ardent, la forme d'une lumière. Ce sont les manifestations de la présence de la colonne de feu. On a compris que la colonne de feu, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire un amen? Parce que lorsque Paul a croisé la lumière, pendant qu'il persécutait le pouce de Christ, la lumière a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et pourtant, Paul ne persécutait pas Jésus, il persécutait le croyant, mais il a croisé une lumière qui l'a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et la lumière là, c'était la colonne de feu. Et vous comprenez que lorsque on persécute un enfant de Dieu, on persécute la colonne de feu. Si quelqu'un vous persécute, il persécute la colonne de feu. Si une personne se moque de vous, il se moque de la colonne de feu. Parce que lorsque la colonne de feu s'incarne en vous, vous devenez la colonne de feu. Est-ce qu'on peut dire un amen? Donc vous êtes des petits Jésus, vous êtes la colonne de feu. Amen. C'est-à-dire manifester, Dieu se cache en vous. Maintenant, au lieu que le diable voit maintenant l'homme, c'est Dieu qui est derrière l'homme. On dit, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce qu'on peut dire un amen? Alors, je vais lire rapidement ici dans la brochure, parle à cette montagne, vous pouvez dire ceci. Maintenant, à la page 5, au paragraphe 5. Maintenant, nous essayons de placer les réunions dans le meilleur cadre possible. Nous ne nous spécialisons pas dans la guérison divine, comme on dit, parce que la guérison divine n'est pas le plus important. Et vous ne pouvez pas mettre en avant le moins important. Nous savons cela. La grande chose, donc, que nous recherchons dans tout réveil, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ et de réveiller l'Église, la ramenant à un état spirituel, là où elle doit être. Une communion intime avec Dieu. Troisièmement, de susciter la communion entre les églises. Et quatrièmement, de prier pour les malades. C'est notre but. C'est ce que nous essayons de faire. Ce sont les pécheurs d'abord, la communion entre les églises et une marche intime entre l'église et Dieu. Et ensuite, la prière pour les malades. Le votre bonhomme essaie de nous montrer par là que la prière des malades n'est pas le plus important. Que le plus important, c'est chercher les âmes. Amen. Ensuite, réveiller l'église, créer un contact entre Dieu et l'homme pour réveiller l'église. Ensuite, susciter la communion entre les autres églises. Et en quatrième position, la prière pour le malade. Amen. Or, c'est ce qu'il a dit. Donc, le plus important, ce que nous comprenons par là, c'est sauver les âmes. Or, le constat fait, c'est que si nous voulons sauver les âmes, on doit commencer par le moins important pour arriver au plus important. Parce qu'aujourd'hui, sauver des âmes, c'est une pêche. Et aller à la pêche sans avoir des appâts, sans avoir le surnaturel, sans avoir la guérison, l'Église ne grandira pas. Vous n'aurez pas assez des âmes. On vit dans un monde où l'incrédulité a tellement augmenté. La sorcellerie a tellement augmenté. La souffrance a tellement augmenté. Les gens, pour croire, ont besoin de voir quelque chose. Ils ont besoin d'être connectés à quelque chose de réel. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes qui ont des capacités intellectuelles, qui parlent bien français, qui sont instruits. Mais s'ils n'ont pas cette clé, les églises n'avanceront pas.
Amen. Le point dit ceci, dans la Grande Commission, page 27. Paragraphe 27 étant pour moi, Christ a consacré environ 80% de son ministère sur la guérison divine. Et il a rassemblé ses foules et a montré, a révélé sa qualité de Messie, puis il les a appelés à la repentance. 80% du ministère consacré à ce qui est moins important. Dans le but d'amener les gens à ce qui est plus important. Amen. Donc, si nous voulons faire avancer l'Église de Dieu aujourd'hui, nous sommes condamnés. Amen. Je dis bien, nous sommes condamnés, Monsieur, à introduire le surnaturel dans l'Église. Amen. Le point dit ceci. Pourquoi crier parle? Paragraphe 45. Je pense que tout homme ou une femme, un garçon ou une fille, je pense, avec une conception intellectuelle de la parole et tout, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Qui que vous soyez, peu importe la conception intellectuelle, tant que tu n'auras pas rencontré la lumière de la colonne de feu, l'Église n'aura pas de fondement. L'Église n'avancera pas. L'Église ne va pas prospérer. Amen. Il continue. Je pense qu'aucune Église, malgré sa pratique, amen, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette Église ne peut jamais. Est-ce que vous comprenez l'expression jamais? Cette Église ne peut jamais, donc de quelque manière que ce soit, en aucun cas, cette Église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne soit fait connaître parmi les gens là. Et qu'il l'ait vu. Quelque chose avec lequel ils peuvent parler. Qui leur répondra et confirmera cette parole écrite. Amen. C'est vraiment ce que nous croyons. S'il n'y a pas le surnaturel, l'Église ne peut pas prospérer. Ce n'est pas l'intellectualisme, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le français raffiné, ce n'est pas la connaissance des principes de la vie ou la capacité de conduire une église. S'il n'y a pas le surnaturel, l'église ne peut pas prospérer. Je sais qu'il est écrit quelque part dans ce que dit le prophète. Que vous soyez pasteur d'une église de 5 personnes, oui, vous n'êtes pas inférieur à ce qu'est une église de 10 000 personnes. Mais si ton ministère est appelé à une église de 5 personnes, n'envie pas celui qui a 1 000 personnes. Nous sommes tous enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, mais Dieu a donné à chacun et à l'autre des responsabilités selon le don qui est en lui. Selon la capacité que Dieu a mis en chacun de nous, Dieu nous donne plus de responsabilités. Si tu es appelé à diriger 5 églises, 5 membres, gloire à Dieu. Tu seras béni. Mais si l'autre a la capacité de gérer 1000, 2000, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire un amen fort?
Nous avons besoin de la colonne de feu. On a besoin du surnaturel. Et si Dieu est avec nous, alors où sont les miracles? Si nous avons le surnaturel, où sont les miracles? Nous ne prêchons pas pour chercher les miracles. On n'a même pas besoin de chercher les miracles. Mais il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, si nous avons cru à la parole, on a cru au message, les miracles nous accompagnent. Même si vous ne voulez pas, ça vous accompagne. Même si vous refusez, ça vous accompagne. C'est une promesse. Et ça, c'est pour quiconque croit. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ni pour les diacres, mais c'est pour chacun d'entre nous. Tout le monde n'aura pas le don de guérison, ni le don des miracles. Mais tout le monde a Marc 16. Tout le monde a la colonne de feu. Alors les signes, les produits doivent vous accompagner. C'est aussi l'un des signes qui prouve que Dieu est avec toi. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'une des preuves de l'existence de Dieu, ce sont les miracles. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous voyons sa manifestation. Nous voyons les caractéristiques. Alors nous croyons qu'il y a une divinité quelque part. Que tu sois d'accord ou pas, c'est le message. Amen. Tu peux faire de janvier à décembre, même pas un miracle. Amen. Ou nous croyons ou ne croyons pas. Est-ce qu'on peut continuer le prophète? Suivez le prophète. L'alliance de grâce d'Abraham. Amen. Paragraphe 45. Je vais commencer un peu plus haut. Amenons le message à ceux qui se meurent. C'est ce qu'ils attendent de nous. Ce sera le message. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Pas aller former des organisations, édifier des dénominations, construisez des grands édifices. C'est vrai. Je n'ai rien contre cela. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit allez former des organisations. Aller construire des grandes églises, des grands édifices. Il a dit, prêchez l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? La puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Oh, je prêche l'évangile, je prêche l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Amen. La puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Maintenant, observez la conjonction « et ». Une conjonction coordonne la phrase. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous ne pouvez pas prendre la parole seul. Tu peux nous révéler la parole, les sept tonnerres, les zodiacs, la révélation. Tout ça, c'est bien. Mais nous avons besoin de la démonstration. On a besoin de la puissance, pas la parole seule, mais la parole et l'esprit. Amen. Pas la parole seule. Vous devez avoir la chose pour soutenir cela, pour faire que ce miracle accompagne cela. N'allez pas pour donner de l'instruction aux païens. Allez prêcher l'évangile, démontrer la puissance de Dieu devant eux. Amen. Merci, pasteur.
N'allez pas pour donner l'instruction aux païens. Allez prêcher l'évangile. Démontrez la puissance de Dieu devant eux. Donc les gens doivent voir la puissance. Amen. Je peux faire lire, hein? Parce que là, ce n'est pas moi, c'est le prophète. Oui, monsieur. Amen. Amen. Continuez, supportez un peu. Question et réponse sur les Hébreux. Première partie. Paragraphe 215. Caïn était exactement de cette lignée-là. Cette église charnelle est de la même lignée aujourd'hui. L'église spirituelle a toujours la colonne de feu. Il n'y a pas d'amen, hein? Quoi, vous n'êtes pas une église spirituelle? Mais l'église, c'est toi. L'église, c'est pas le bâtiment. Quand je parle l'église, c'est l'individu. L'église spirituelle a toujours. Le mot toujours veut dire tous les jours. Pas seulement. Ah, merci, en permanence. Pas seulement aujourd'hui et pas demain. Non. C'est que tu marches avec la colonne de feu. Tu vis avec la colonne de feu. Tu dors avec la colonne de feu. Tu manges avec la colonne de feu. Tu respires avec la colonne de feu. L'église spirituelle a toujours la colonne de feu. Elle a toujours les signes et les prodiges. Ah! C'est pas seulement en passant. Non! Elle a toujours. Toujours et toujours. Pour toujours. Elle a toujours les signes. Elle a toujours les prodiges. Elle a toujours le même Christ. Ce qui se confirme sur toute la ligne. Depuis l'agneau mourant dans le jardin d'Éden jusqu'à la deuxième venue de l'agneau. Absolument le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vous ne croyez plus à la puissance de Dieu, vous êtes rétrograde. Même si tu ne vois pas la puissance dans ta vie, mais crois d'abord à la puissance. Si tu commences à croire, la puissance viendra sur toi. Pour avoir les miracles, il faut croire au miracle. Pour avoir le surnaturel, il faut croire au surnaturel. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Amen. Maintenant, rentrons dans mon sujet. Amène les gens à croire au don. Dieu a parlé à William Branham. Que la chose la plus difficile, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. C'est facile de croire à une divinité. Mais croire à un mortel, ça, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Amen. C'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'on voit l'homme né de la chair. L'homme né du sang. Avec des erreurs. Avec des manquements. Avec des difficultés. Avec des souffrances. Croire que cet homme-là, Dieu peut rentrer en lui, c'est difficile. Amen. Donc c'est difficile d'amener un mortel à croire un être mortel. Et il a dit à Branham, maintenant, si tu amènes les gens à te croire, toi, William Branham, pourquoi Jésus n'a pas dit à Branham, amène les gens à me croire. Moi, Dieu, amène les gens à me croire. Parce que je suis Dieu, la divinité incarnée. Mais il dit, Branham, amène les gens à te croire. Parce qu'il y a un mystère. Lorsqu'on croit à un homme qui a le don, en réalité, ce n'est pas amené à croire à Branham.
mais ça menait à croire au don qui est dans Branham. Branham n'était pas Dieu, mais le don était Dieu. Je vais la main fort. Je veux vous dire ce matin, beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas, n'évoluent pas, ne changent pas, parce qu'ils ne croient pas aux hommes que Dieu les a envoyés. Oh, je crois en Dieu, oh, je crois en Dieu, oh, je crois en Jésus, je crois en Jésus. Ça ne suffit pas. Dieu a besoin d'un homme pour travailler. Ce matin, si vous comprenez ça. Oh là là, je ne sais pas. Ok, j'ai encore un peu de temps. Il faut suivre un peu l'heure. Si vous comprenez ça, même si tu infirmes ce matin, tu seras guéri. Si tu es au chômage, tu auras le travail. Si tu es malade, tu seras guéri. C'est l'une des clés, c'est l'un des secrets du surnaturel. Il a dit à Branham, amène les gens à te croire. Mais pourquoi Branham est non Dieu? Amen. Alléluia. Dieu travaille dans l'homme. Dieu ne peut pas travailler sans un homme. Quand Dieu a essayé de descendre lui-même sur la montagne de Sinaï, il y a eu des catastrophes. Les gens sont morts. Les gens criaient. Il dit, Moïse, que Dieu ne nous parle plus ainsi. Oh, l'onction commence à monter là. Alléluia. Là, vous n'avez pas besoin de l'imposition des mains. Parce que la colonne fait prendre le contrôle de la salle. Et Dieu est content de ce que je prêche. Je vous le dis au nom de Dieu. Moïse, que Dieu ne nous parle plus ainsi. Sinon, on va mourir. Mais qu'il te parle et toi, tu nous parles. Qu'il t'utilise pour nous délivrer. Qu'il t'utilise pour nous libérer. Oh, est-ce qu'on peut dire un amen fort? Oh, je me sens bien. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse. Moïse a dit, oh Seigneur, ils ne me croiront pas. Il dit, voici, je te donne deux signes. S'ils ne te croient pas sur les deux signes, voici un troisième signe. Donc il faut quelque chose qui amène les gens à croire. C'est pas seulement croyez-moi, 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 croyez-moi. Faut me croire, faut me croire, faut me croire. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Prononce la parole. Démontre-moi Dieu. Je vais te croire. C'est le temps de la démonstration. Et non des discours persuasifs. Croyez-moi, croyez-moi, moi j'ai Dieu, j'ai Dieu, j'ai Dieu. Si tu as Dieu, où sont les miracles? Oh, et il croit seulement un miracle. Il croit seulement un miracle. Toi, tu crois à quoi? Les miracles sont la preuve que Dieu est dans l'homme. Bien que ce n'est pas forcément le cas, mais c'est l'une des preuves. Est-ce qu'on peut dire un amen? Si tu amènes les gens à te croire, rien, rien ne fera obstacle à tes prières. Pas même le cancer. Oh, si vous croyez au serviteur de Dieu que Dieu vous envoie, rien ne fera obstacle à ses prières. Lorsqu'il élèvera les mains vers l'éternel,
Dieu va l'exaucer pour vous. Dieu va l'exaucer pour vous. Vous serez délivrés. Vous serez bénis. Vous serez élevés. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? Amen. Ne vous souciez pas de ceux qui ne prient pas comme vous. Souciez-vous de votre attachement à la personne qui vous conduit. C'est un problème de révélation individuelle. Ayez la révélation de celui que Dieu a envoyé pour vous et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Poussez à bout. Page 13. Page 13. Poussez à bout. Oh, je me sens bien. Vraiment, je sens que l'onction commence à s'augmenter ici. Suivez le prophète. Page 13. Nous pouvons voir des miracles. Non, nous pouvons voir des grands signes et des miracles chez les autres. Mais qu'en est-il de nous? Ah? Nous pouvons voir des grands miracles, des grands signes chez les autres. Mais qu'en est-il de nous? Si nous servons le même Dieu, ce que je vois chez l'autre, je le vois chez moi. Est-ce qu'on peut dire un amen? C'est pour dire que tout le monde a droit au miracle. Et s'il n'y a pas de miracle, pose-toi la question, qu'est-ce qui ne va pas? Et je te dirai pourquoi tu n'as pas les miracles. Allah. Est-ce qu'on peut dire un amen? Suivez bien, je veux. Oh là là, suivez bien. La parole parlait de la semence originelle. Page 92. Vous ne pouvez seulement servir Dieu comme vous le faites et croire les serviteurs que Dieu envoie. Vous ne pouvez servir Dieu sur cette terre que lorsque les serviteurs de Dieu envoyés sur la terre par inspiration divine interprètent la parole pour vous. Tu ne peux pas servir Dieu aussi longtemps que tu n'as pas rencontré un serviteur de Dieu envoyé par inspiration qui interprète la parole. Alléluia. Bon, dernière citation. Serrez les ceintures. Ça, c'est vraiment serrer les ceintures. Parle. Non, sur ta parole. Paragraphe 44. Réjouissez-vous déjà. Il dit ceci. Je ne sais pas. Il faut que je sois sincère vis-à-vis de ceux qui se tiennent devant moi. Maintenant, vous savez, ces maladies, ce sont des démons. Vous les appelez le cancer, la pneumonie, la tuberculose. Je les ai appelés démons. Maintenant, tout le monde sait que le mot démon signifie un tourmenteur. Non pas qu'il tourmente votre âme. Vous êtes libéré de cela. Libéré de quoi? Voilà, merci mon frère. Vous êtes libéré de cela par celui qui te prêche l'évangile et parle la parole de Dieu. Vous voyez, celui qui te prêche l'évangile est conjonction de coordination, la parole de Dieu. Donc tu es libéré de celui qui te tourmente là. Par celui qui te prêche la parole et la parole de Dieu. Pas seulement celui qui te prêche, pas seulement la parole de Dieu, mais les deux ensemble. Donc vous ne pouvez pas séparer la parole et celui qui vous la prêche. Alléluia.
Alléluia. N'est-ce pas vrai? Je ne suis pas pour cela. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu pour la guérison de votre corps. Écoutez maintenant. Maintenant, pour vous débarrasser de ce tourmenteur, vous ne pouvez pas. Écoutez, vous ne serez jamais sauvé. Et là, il inclut maintenant le salut à l'intérieur. Vous ne serez jamais sauvé. Le mot jamais. Vous ne serez jamais sauvé. Et vous ne recevrez jamais le Saint-Esprit. À moins que vous ne croyez la parole de Dieu et l'homme qui vous la prêche. Amen. Votre salut ne dépend pas seulement de la parole de Dieu, mais aussi de celui qui vous prêche la parole. Le Saint-Esprit ne dépend pas seulement de la parole de Dieu, mais aussi de celui qui te prêche la parole. Est-ce que vous voyez l'importance des serviteurs de Dieu? Ouais. Oh, je suis sauvé, je suis sauvé. Tu es sauvé comment? Amen. N'est-ce pas vrai? C'est ainsi que vous recevez la guérison de la même façon. Donc même pour la guérison, tu dois croire la parole et celui qui prie pour toi. Amène les gens à croire au don. Et ce matin, je voudrais dire ceci. Ça, c'est mon opinion. Ça, c'est mon avis. Ça peut achoper, ça peut scandaliser, mais c'est mon opinion personnelle. Cet homme que Dieu nous a envoyé, qui est venu par une commission spéciale, a fait l'atterrissage à Franceville. Il a commencé le plein évangile. Je vous le dis en toute sincérité, avant qu'il ne vienne ici, j'ai croisé des hommes de Dieu, très éloquents, qui ont construit beaucoup de choses à moi, qui m'ont enseigné beaucoup de choses. Mais depuis que j'ai croisé cet homme, et qui m'a connecté quelque chose, la chose là n'est jamais partie. Amen. Et depuis que je l'ai connu, il n'a jamais perdu l'onction. Amen. Vous savez, si tu n'es pas content quand on parle du bien de quelqu'un, tu es suspect. Branham dit ceci. Même si j'ai fait, même si on m'a fait du mal, on m'a offensé plusieurs fois, et qu'on m'a fait du bien une seule fois, je parlerai du bien de la personne. Et il est toujours important de parler du bien de la personne pendant qu'elle vit, afin que ça l'encourage à continuer à faire du bien. Est-ce qu'on peut dire un amen? Donc ne soyez pas chopés. Amen. Cet homme a créé quelque chose en moi. Et la chose-là est restée en moi depuis ce jour. Depuis 24 ans que j'ai fait sa connaissance, il n'a jamais perdu l'onction. Il a gardé le réveil. Et il a élargi le réveil. Est-ce qu'on peut dire un amen? Peut-être qu'il n'est pas le plus grand des pasteurs du Gabon, mais il est parmi les pasteurs du Gabon qui ont amené la révolution. Amen. Que les gens le croient ou qu'ils ne croient pas, c'est leur avis. Mais je veux dire, nous avons reçu un homme spécial. Avec un don spécial. Dans une période spéciale. Pour un enlèvement spécial. Et quiconque croira à cet homme aura la solution à son problème. Est-ce qu'on peut dire un amen? C'est pourquoi arrêtons de faire semblant. Je crois, vous ne croyez pas.
Croyez réellement. On ne combat pas un leader. On ne critique pas un leader. On ne méprise pas un leader. On ne combat pas celui qu'on croit. Cela fait de vous un hypocrite. On doit protéger le don. Dans une équipe de football, il y a plusieurs joueurs, mais il y a le capitaine de l'équipe. Et il y a le meilleur joueur. Et quand un joueur prend la balle pour marquer le but, les autres doivent protéger la balle. Est-ce qu'on peut dire un amen fort? C'est pourquoi je dis au pasteur, ne vous souciez pas des critiqueurs. Quoi que vous fassiez, les gens vont vous critiquer. Ne vous souciez pas de ça. Avancez avec la colonne de feu. Suivez le programme de Dieu et nous vous suivrons à 100%. Il n'est pas facile de trouver un homme qui peut rassembler un si grand nombre de personnes autour de la parole, surtout dans ce message. Ce n'est pas facile. Il faut avoir quelque chose qui peut créer une profondeur, qui peut impacter les gens, qui peut attirer les gens. Et la chose là, c'est la colonne de feu. Et Dieu a confirmé cet homme par des signes, des prodiges et des miracles, et par la colonne de feu photographiée. Amen. Et par sa lumière, la lumière a été produite au travers de nous autres. Il faut un homme qui peut allumer la lumière, afin d'allumer aussi les autres. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, grand respect, chapeau au révérend pasteur, au révérend apôtre, révérend évêque Mossé. Respect, papa. Nous avons un homme spécial. Ne regardez pas aux erreurs romains comment Dieu l'a choisi. Malgré le haut et le bas, Dieu l'a choisi. Pour la délivrance du Gabon. Quand je dis du Gabon, je ne parle pas des autres. Je parle de ceux qui sont dans sa constellation. Qui étaient en esclavage quelque part dans le Gabon. Et qui ont entendu le cri de l'homme de Dieu. Et ils se sont identifiés. J'ai du respect de tous les hommes de Dieu dans ce pays, mais je crois que nous devons reconnaître les talents que Dieu nous envoie. Billy Graham est parti, il a échoué aux Indes. Il a dit, et pourtant il y avait des brames quelque part. Il devait aller appeler l'ancien. Et quand Branham est parti, il a relevé le défi. Amen. C'est pourquoi, ayez du respect pour sa femme. Et du respect pour ses enfants, et du respect pour ses proches, et du respect pour lui-même. Est-ce que l'Église me dit un amen fort? Que le Seigneur vous bénisse.